What's up à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve donc, on est lundi, il est 17h30, je viens de terminer les cours et comme tu l'as vu dans l'introduction, j'ai bossé là pendant une petite demi-heure, une petite heure même, sur mes mails que j'ai préparés donc pour la semaine. J'ai écrit aujourd'hui plus de 4 mails, que ce soit pour l'une de mes clientes et l'un de mes clients. Je suis raide, mort, je suis crevé. Je vais encore tourner là le module 2 pour ma propre formation et pour les gens qui l'ont précommandé. Et on va faire ça, on va faire le module 2. J'ai reçu, comme tu peux le voir, je vais arrêter de montrer le mur blanc, les habits en laine de mérinos qui m'ont coûté un bras, mais qui me font très plaisir. C'est de la très très bonne qualité. Pourquoi je te montre mon gros front? C'est de la très très bonne qualité et ça commence à prendre forme. Ça commence à prendre forme. Il y a plein de cartons. C'est le bordel chez moi. C'est tellement le bordel. Bref, je vais continuer à bosser et on avance tranquillement dans la bonne direction. Il y a plein de choses que je dois encore faire pour annuler les abonnements que j'ai, par exemple pour l'assurance de la voiture, pour le leasing, etc. Enfin bref, il y a beaucoup, beaucoup de choses à penser. Et ça me fait du bien de ne pas forcément avoir à créer non plus du contenu pour mercredi maintenant, parce que j'ai beaucoup trop de choses et que je préfère vous offrir en fait du contenu beaucoup plus qualitatif et beaucoup plus travaillé, mais que je puisse justement de mon côté prendre le temps de le faire aussi, parce que ça prend du temps de faire les choses correctement. Donc voilà pour aujourd'hui, petite journée tranquillou et écriture de mail à fond pour deux de mes clients. Demain ça va être la même chose avec les cours de community management qui vont se terminer très bientôt et j'en ai marre. Donc on va passer bientôt la certification, normalement c'est la semaine prochaine. Et donc, je serai certifié Community Manager. Je ne sais pas si je vais l'utiliser, si je vais en profiter pour augmenter mes prix, mes prestations de service aussi, pour pas forcément créer du contenu pour mes clients, mais toucher un petit peu à la publicité payante, à Google Ads, à Facebook Ads, à YouTube Ads, pour vraiment leur permettre d'augmenter leur trafic, d'augmenter leur taux de conversion et d'évidemment de mettre en pratique toutes les connaissances que j'ai accumulées au fil de ces dernières semaines. Donc voilà pour moi aujourd'hui. Et j'espère que toi, tu vas bien de ton côté, que tu avances bien. Et pense à t'abonner. Pense évidemment à cliquer sur le premier lien qui se trouve en description. Tu vas rejoindre la source. C'est un endroit parallèle, un monde parallèle que j'ai voulu créer pour toi. Et où j'écris justement à toute ma liste email tous les dimanches à 10h, où je leur parle de ce qui se passe dans ma vie et surtout des techniques, évidemment, de copywriting, de persuasion, d'email marketing et tout ce qu'on peut trouver avec le marketing et la psychologie humaine, tout simplement. Donc pense à t'inscrire à la source et rejoins-moi au pays merveilleux de la persuasion et allons ensemble jusqu'au fond du terrier. Dans les coulisses donc de la méthode 7, c'est parti. Bienvenue à toi dans le jour 2 où nous allons mettre en application donc ce qu'on a vu dans le jour numéro 1. Et vu que tu as fait ce travail en amont, on a posé aujourd'hui les fondations justement de ton business, quelque chose justement que les gens et que la plupart des copywriters ne font pas du tout. Je dirais même 99% des copywriters ne font absolument pas et qui les pénalisent sur le long terme. Parce que nous, une fois que tu as appliqué donc ce que je t'ai dit dans le jour numéro 1, tu verras que là, on a une vision beaucoup plus claire de comment on va se préparer ensemble maintenant à trouver ton premier client dans les 7 prochains jours. Et
à avoir en fait cette confiance nécessaire pour eh bien, le signer. On va voir ensemble maintenant comment trouver donc ton premier client. What's up à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve donc, on est mardi. Je n'ai pas grand chose à dire, donc ça va durer peut-être une minute. Je viens de tourner un module de ma méthode 7, tout simplement. Aujourd'hui, je me suis occupé des mails de mes clients et j'ai continué les cours justement en community management. C'est tout, je suis éclaté encore une fois. La nuit tombe très très vite et je vais faire mon sport maintenant pour vraiment me décharger mentalement et prendre soin de moi un petit peu. Donc voilà, en 35 secondes, je t'ai résumé ma journée. Encore une fois, ce mur blanc que bientôt tu ne verras plus, je te le promets. What's up à toi, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce qui charge ici? Qu'est-ce qui charge ici? Qu'est-ce qui se trame? Eh bien, c'est la méthode 7. Comme tu le sais, j'ai lancé ma propre formation pour trouver les clients, pour trouver des clients en tant que rédacteur, en tant que copywriter. Et il y a eu, eh bien, 4 personnes qui ont investi dans, eh bien, leur business, tout simplement, pour trouver leur premier client dans les 7 prochains jours. Et donc là, je l'ai terminée. Je suis en train de la mettre en ligne et j'en suis très, très fier. J'ai déjà hâte de recevoir des feedbacks et eh bien, d'avancer avec eux, avec ces personnes-là qui ont investi, évidemment. Et évidemment, hier, je n'ai pas eh bien, filmé parce que, comme tu t'en doutes, je n'ai pas grand-chose à dire à part que c'est le rush final. Il me reste 2 semaines pour préparer tout l'appartement. Donc là, avec ma chérie, il faut vraiment qu'on se bouge pour vraiment tout enlever, les meubles, etc. Donc, tu vas voir que ça va se vider petit à petit. Et on va commencer justement à, eh bien, à faire quand même les choses correctement dans l'ordre parce que moi, j'ai des clients aujourd'hui, ça me demande beaucoup de temps. J'ai de la chance justement d'avoir terminé aussi certaines missions avec certains clients, donc ça m'enlève un petit peu de pression et ça me permet de me concentrer, de me focus sur eh bien, les clients avec lesquels je travaille aujourd'hui et d'en signer d'autres. J'ai un rendez-vous normalement client en milieu novembre, un très très gros client, une très très grosse entreprise. Je t'en dirai plus évidemment, comme tu le sais, en toute transparence avec le contrat quand il sera signé. Pour le moment, je ne dis rien, mais tu sais que je te dirai tout ça, évidemment. On prévoit tout, il faut qu'on achète nos billets et tu t'en doutes, on va te spoiler un petit peu où on va aller. Donc, on est très heureux, on est très content et on va te le dire, on va t'emmener avec nous, évidemment, dans nos 3 voyages. Intérieur, dans notre voyage intérieur, dans notre voyage spirituel, dans notre voyage autour du monde et entrepreneurial, pour eh bien, te motiver, te montrer que c'est possible et te montrer un petit peu les dessous d'un business en ligne, tout simplement, avec ses hauts, avec ses bas. Et c'est tout. Aujourd'hui, je vais juste upload ma formation, c'est mon objectif numéro 1. Et ensuite de ça, peut-être, si j'ai le temps, bosser sur 1 ou 2 mails pour préparer le Black Friday avec l'une de mes clientes, tout simplement. J'espère que pour toi, tout va bien et que tout se passe bien, tout simplement. Tu peux me le dire en commentaire. Et rappelle-toi que tu peux rejoindre la source si ce n'est pas déjà fait. C'est un email que j'envoie à ma liste tous les dimanches à 10h dans un monde parallèle où on est ensemble avec un copywriting que tu n'as jamais vu, avec des conseils que tu n'as jamais entendu et avec quelqu'un qui n'est pas encore connu, tout simplement. Rejoins la source, rejoins-nous, rejoins les squads aussi si tu veux faire partie eh bien, d'un cercle fermé de copywriters qui avancent ensemble. Eh bien, tu peux rejoindre aussi et donner ta candidature sur le groupe Facebook et nous rejoindre tout simplement pour améliorer, step up ton copywriting et améliorer tout simplement ta persuasion. Et voilà. Voilà pour aujourd'hui, c'est très simple. Court, facile et simple. Et de retour à la maison. Et je vais te montrer un petit indice. À toi de me dire dans les commentaires où est-ce que l'on part pour notre première destination avec eh bien, ma chérie. Je te montre tout de suite notre plat.
de ce soir et j'attends tes commentaires. T'as les mêmes idées que moi. Ici, tu vas me dire que je te copie. Là, c'est vraiment le visage. Alors, merci de me remettre sur moi. C'est vraiment le visage d'un grand gamin qui part très bientôt donc à l'aventure avec sa chérie qui tient la caméra et qui a décidé qu'entre deux, avec sa chérie, il allait initier justement sa petite femme à un jeu passion, un jeu incroyable. C'est l'heure du duel. C'est vraiment des voilà mon deck que j'ai donc pourquoi on les achète à 3 parce que bah pour faire un deck tout simplement en bonne et due forme il faut 3 paquets pour avoir eh bien 3 cartes très très fortes dans le deck et donc pouvoir avoir un deck convenable. Donc j'ai acheté 3 decks pour moi, 3 decks pour eh bien ma chérie qui est là-bas avec tout le bordel. Trop chou. Et en fait, nous allons jouer, parce qu'on a la Switch en voyage, mais on va jouer aussi au jeu de cartes, parce que eh bien, on voit qu'on est beaucoup sur l'écran, finalement, en tant que digital nomade, en tant que personne qui travaille sur Internet, eh bien, t'es tout le temps sur l'écran, et moi, ça me défonce les yeux, ça me fatigue. Donc, ça nous permet de jouer à Yu-Gi-Oh! Et je suis comme un gamin, là, aujourd'hui. En plus, ma chérie est avec moi, donc on va profiter de faire un bon brunch, et on va préparer nos decks, et je pense jouer pendant cette journée. Et évidemment, l'après-midi, je ferai un petit peu les mails, un petit peu les améliorations de la page de vente d'une de mes clientes. Et ça sera tout pour aujourd'hui. En tout cas, je suis trop content comment la vie est en train de se dérouler pour moi. Je te souhaite à toi aussi que du bon, que le meilleur dans ta vie. Si tu t'en donnes les moyens, tu réussiras aussi. Pense évidemment à t'abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait très plaisir, ça aide évidemment la chaîne parce que je te montre évidemment, bah, ça fait beaucoup d'évidemment, mais je te montre l'évolution de ma vie et je documente celle-ci en toute transparence en tant que copywriter, en tant que rédacteur freelance et j'en suis trop fier, je suis trop content. Merci de me soutenir, merci d'être là et à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Et on va croire à la destinée des cartes. Bientôt les 1000 abonnés. Bientôt les 10 000 euros. Bientôt. J'ai déjà les 5 clients, donc c'est bon. C'est bon. Maintenant, plus que les 10 000 euros et les 1000 abonnés. Je compte sur toi. Pense aussi. Parce qu'elle fait des va-et-vient. Pense aussi, on va animer un peu ce vlog parce que tu vois tout le temps derrière. Pense aussi évidemment à rejoindre La Source. La Source, c'est un mail que j'envoie tous les dimanches à 10h à ma liste email. On est plus de 60 aujourd'hui actuellement. Et où j'envoie justement les conseils des meilleurs copywriters dont je fais évidemment partie. Pourquoi je te dis que je fais partie? Parce que tout le monde se dit être le meilleur copywriter. Donc maintenant, je vais commencer à le dire. Je suis l'un des meilleurs copywriters francophones et je n'ai pas peur de le dire. Si tu as un problème avec ça, tu me le dis dans les commentaires. Ok ? Je te souhaite tout le bonheur du monde et que quelqu'un te tende la main, que les chemins évitent les bons, qu'il y ait l'air dans notre jardin. On vous souhaite tout le bonheur du monde. Ah oui, tout le bonheur du monde. Mais je crois que ça me met dans l'euphorie en fait, ce truc. Hein. C'est stupide, mais comme je t'ai dit, je suis comme un gamin. Il y a beaucoup de choses qui se passent. J'espère que ça continue. Comme ça, j'espère que ça continue comme ça justement dans la vie. On avance, on fait les cartons, les meubles vont commencer à petit à petit à disparaître. Tu vas voir ça la semaine prochaine et la semaine d'après. On va commencer à être en vadrouille tout le mois de décembre pour eh bien, partir en janvier dans la destination que tu as sûrement deviné. Tu peux me le dire en commentaire. Et on est ensemble. Et je vais t'offrir évidemment tout ce que je connais sur le copywriting, sur le monde de la persuasion, l'email marketing.
J'ai hâte de t'offrir tout ça et de créer justement cette communauté autour de cette liberté financière, liberté géographique, liberté temporelle aussi. Parce que comme tu le vois, là, il est quelle heure? 11h? Il doit être 11h, on va faire un brunch, on va manger, on va jouer aux cartes, on est tranquille, il n'y a personne pour me dire là, tu dois faire ça, là, tu dois faire ça. Et ça, c'est juste génial. On en parlait d'ailleurs ce matin. T'as mal au bras? On vous souhaite tout le bonheur du monde. On va arrêter là les conneries, on te fait une petite transition Yu-Gi-Oh! Et je te dis directement à la semaine prochaine, pense à t'abonner, à rejoindre la source pour rejoindre un copywriter méconnu, mais qui va être connu un jour. Cette vidéo n'a aucun sens. Il n'y a aucun sens, c'est la fin du vlog. Ciao, ciao! Chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calmes jardins. On vous souhaite tout le bonheur du monde, pour aujourd'hui comme pour demain. Que votre soleil éclaircisse l'ombre, qu'il brille d'amour au quotidien.